Good morning, Aleiden. Les tutres aujourd'hui, le Nishmat Amram Yona Ben Chana, Shalom Ben Chbiba, Amram Armand Ben Sulika, Peggy Batester Zabat Mazaltov, Sporti, Shmechel Novikov, Vassilir Fatrout, Batrudin Train, Simcha Bat Masoli, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot, Perek Alef, Mishnah Chet, Karshinet Ruma, Bet Shamay Omrim, Shorin Veshafin Betahara, Omachelin Betuma, Betil Omrim, Shorin Betahara, Veshafin Omachelin Betuma. Shamay Omer, Yachelu Tsarid, Rabbi Akiva Omer, Kol Maasehem Betuma. Dans notre Mishnah, on va parler de Trumot, mais plus particulièrement du devoir de surveiller que la Trouma, le prélèvement que l'on fait de nos fruits au Kohen, ne devienne pas impur. Auparavant, une petite introduction. Que doit-on prélever? De manière générale, la Torah nous dit tout ce que l'on mange, tout ce qui est un produit agricole, alors lorsqu'on le cueille pour soi-même, il faut prélever une partie et le donner au Kohen, c'est ce qu'on appelle la Trouma Gdola. Il y a encore d'autres prélèvements, on ne va pas tous les mentionner, là n'est pas notre problème. On en reparlera dans la prochaine Mishnah, on en aura besoin un petit peu. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est le premier prélèvement pour le Kohen. Le premier prélèvement pour le Kohen, c'est ce qu'on appelle la Trouma. Premier prélèvement. Selon la Torah, on peut donner la même petite quantité, on n'est pas limité. Malgré tout, Chachamim ont instauré de donner au moins un 50e, un 60e aussi, ou un 40e, selon si on est large ou si on est radin. D'accord ? Donc il faut prélever et donner, c'est ce qu'on appelle la Trouma. Maintenant, quels fruits sont imposés de prélèvement ? Tout ce qui est mangeable par l'homme. Ce qui est mangeable que par l'animal, je ne dois pas prélever la Trouma. Par exemple, du foin. J'ai pas besoin de prélever la Trouma. Ouais, il n'y a que les animaux qui mangent du foin. Donc, si j'ai ramassé plein d'herbes, par exemple, pour nourrir mes vaches, j'ai pas besoin là-bas de prélever une partie pour les animaux. Une partie et de le donner au Kohen pour qu'il donne à manger à son animal. Maintenant, notre Mishnah va nous parler de quelque chose de particulier. C'est des aliments qui sont en temps normal réservés pour les animaux. Les hommes ne les mangent pas, mais chas v'shalom, en cas de famine, alors on se met à les manger aussi tant bien que mal, ça va, ça nourrit, ça cale un petit peu, donc on les mange. C'est ce qu'on avait appelé dans notre Mishnah, on va parler des karchiné trouma. Karchiné, je ne sais pas comment le traduire. En arabe, ça se dirait karsana. Comme ça, c'est rapporté dans le Barthénora, dans le Rambam. Je ne sais pas ce que ça veut dire, karsana. Comme ça, il dit avec un chet. Et lui, le genre, enfin, peu importe. Je sais pas, c'est du cresson, je pense pas, parce que le cresson, ça se mange avec les hommes. En tout cas, c'est une sorte d'aliment, c'est une sorte de végétal que l'on donne à manger en temps normal aux animaux, pas aux hommes, mais que ça arrive des fois, l'homme qui a très faim, il se met à le manger aussi, et puis tant mieux que mal, ça nourrit. Maintenant, on continue avec notre introduction avec un détail important, c'est l'interdit de rendre impure la Trouma. Le Kohen qui va manger de la Trouma doit la manger lorsqu'elle est pure, lorsqu'il est pur. Il ne peut pas manger de la Trouma qui est devenue impure, il ne peut pas manger de la Trouma que lui-même il est impur, même si la Trouma elle était au ras, c'est très grave, il y a des... d'accord, et plusieurs interdits, c'est interdit. Ok, donc le Kohen doit veiller non seulement à le manger de manière pure, mais même aussi à le veiller à ne pas le rendre impur. Ça concerne tout ce que le Kohen mange. Ok, donc concrètement, lorsque j'ai prélevé une partie de mon blé, je l'ai donné au Kohen, le Kohen n'a pas le droit de le manger lorsqu'il est impur. Pire que ça, si le blé que j'ai donné en trouma au Kohen, ce blé devient impur, le Kohen ne pourra plus le manger. Il devra le brûler, il ne pourra même plus le donner à son animal. Il devra le brûler nécessairement, il n'a pas le droit de le garder chez lui non plus, de le laisser traîner, parce qu'on a peur qu'il va se mettre à lui-même le manger. Tu l'as rendu impur, tu le brûles. Notre Mishnah maintenant va nous parler d'une exception. Il y a d'abord certaines choses que, par exemple, c'est évoqué ça, s'il y a de l'huile d'olive qui est devenue, donc il faut prélever aussi l'huile d'olive, bien sûr c'est un produit agricole. Si l'huile d'olive est devenue tamée, qu'on la donne au Kohen, alors le Kohen pourra la prendre et la brûler, allumer ses veilleuses avec, par exemple. Il ne va pas craindre de la consommer lui-même. Il a le droit d'en profiter pendant qu'il la brûle. Notre Mishnah, maintenant, va nous parler de quelque chose de très particulier. C'est ces aliments-là qui sont, en temps normal, réservés aux animaux. Alors, puisqu'en période de famine, chas v'shalom, on va se mettre à manger ces aliments, hein, alors ces aliments vont... Ce karchiné trouma, cette espèce-là, va être imposé de prélever la Trouma. Mais malgré tout, puisque c'est pour les animaux, en temps normal, réservé pour les animaux, de ce fait, on va pouvoir la donner au Kohen, et on ne sera pas rigoureux sur toute la lachot de Trouma. Il pourra même la rendre impure, parce qu'on ne va pas craindre que le Kohen va se mettre à la manger. Malgré tout, pour ne pas qu'on se permette à manipuler de la Trouma de manière
profane complètement, à la rendre impure. Alors, Chachamim sont venus et nous ont dit quand même, certaines actions, tu vas les faire que bétahara. Et c'est justement le principe de notre Mishnah. On va découvrir quatre avis. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Il va y avoir un avis qui va tout permettre même, un avis qui va tout interdire, presque tout. Il va y avoir plusieurs étapes qui vont être évoquées. Et on commence à découvrir tout ça à l'intérieur des mots. Karshin et Trouma. Donc c'est les Karshinim. Les Karshinim, c'est cette espèce-là de Trouma. On va dire que ça s'appelle des Karshinim. Je ne sais pas le traduire, je sais pas si ça existe une traduction non plus. Qui sont de Trouma. Donc réservés pour les animaux en temps normal, mais malgré tout mangeables par l'homme. Donc imposés de prélever la Trouma, mais qu'ensuite le Kohen va les donner à manger à ses animaux. De manière générale, lorsque je donne du blé au Kohen, le Kohen n'a pas le droit de le donner à manger à son animal. Puisque pour l'honneur de la Trouma qui est Kdosha, qui est sainte, il doit lui-même la consommer lui-même. Mais il ne peut pas la donner à manger à son animal. Mais là, cette fois-ci, il pourra la donner à manger à son animal. Mais malgré tout, elle imposait de Trouma. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de réservé, en temps normal, réservé aux animaux. Alors, Bet Shammai Omrim. Bet Shammai nous dit Shorin Veshafin Betahara. Pour pouvoir les donner à manger aux animaux, il faut les mettre à tremper dans de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une shriya, l'ishrot. Shorin, on les met à tremper dans l'eau. Et lorsque tu les mets à tremper dans l'eau, il faut que tu veilles à ce que l'eau soit pure, à ce que les ustensiles soient purs. Pour le moment, je te demande de la manipuler avec pureté. Idem aussi, shafin betahara. Si tu veux l'étaler sur toi, je ne sais pas exactement, sûrement qu'il y avait un certain intérêt à se faire des massages avec, ces karchines et trauma une fois qu'ils sont mouillés, ou bien, ouais, une fois qu'ils sont passés par l'eau, peu importe, on fait des massages malgré tout. Là, tu la manipules pour ton profit d'homme, toi le Kohen, tu veux toi te faire un petit massage avec, ça te fait du bien, ça te parfume ta main, ou je sais pas exactement ce que ça peut faire. En tout cas, puisque tu vas te masser avec, l'utiliser donc pour ton corps, alors tu dois le faire betahara. De peur que si tu le fais betouma, demain tu vas te mettre à manger ton blé, alors qu'il est devenu impur. Mais par contre, umachilin betouma, si tu vas venir donner à manger ce karshinim, tu vas ces karchinets trouma, tu vas les donner à manger à ton animal, alors tu pourras les donner à manger même s'ils sont impurs. Ta fourche avec laquelle tu vas ramasser les karchinim et les donner devant l'animal pour qu'il les mange, si ta fourche elle est impure, c'est pas grave, tu pourras la manipuler parce qu'en ce moment tu donnes à manger aux animaux et on va pas décréter de donner à manger aux animaux du Kohen dans la pureté. La pureté ça concerne que l'homme. Donc soit quand tu la première manipulation de quand tu l'as fait à tremper, même si tu m'as trempé pour les animaux, et ou bien même une fois que tu as fini de la faire tremper, mais que tu vas voir t'en faire un massage pour ton usage personnel, alors tu devras veiller à ce que ce soit dans la pureté. Mais par contre, lorsque tu vas la manipuler ensuite pour la donner à manger aux animaux, tu pourras le faire dans l'impureté. Ou bet hilel omrim, shorin betahara, veshafin, omachilin betuma. Lui, bet hilel vient et allège. Descends un petit peu là-bas, il va te dire, c'est vrai que quand tu vas la mettre en shriya, à la mettre à tremper, la première manipulation des karchinim, une fois que tu les amènes chez toi à la maison pour les ramollir, pour leur donner plus de fraîcheur, tu les mets à tremper dans l'eau, là, la première manipulation, tu dois la faire betahara. Mais après, une fois que tu les as sortis de l'eau, et que l'eau, elle a dégouliné, alors ça ne me dérange plus que shafin ou ma'achalin betouma, tu pourras en faire un massage sur tes mains, ou la donner à manger aux animaux, même si c'est betouma, ça ne me dérange plus. D'accord? Donc, finalement, si je pour le moment, là où on en est, on a que, selon Bet Shammai, selon Bet Hillel, la première manipulation uniquement doit être betahara, mais une fois que tu as la première manipulation de quand tu la mets à tremper dans l'eau, ouais, mais après, même si c'est pour ton usage corporel, le Kohen, tu pourras le faire betouma, dans l'impureté, c'est pas grave, et même, bien sûr, à plus forte raison, la donner à manger aux animaux. Et selon Bet Shammai nous dit non, si c'est pour toi, profit corporel, tu dois la faire dans la pureté. Mais si c'est pour l'animal, tu pourras le faire dans l'impureté. Shammai Omer, maintenant Shammai, c'est une nouvelle Mishnah, on a Shammai qui discute sur ses disciples. Que selon Shammai, lui, non, il y a Chelut Sarid. Même lorsque tu vas les donner à manger aux animaux, tu devras leur donner à manger lorsqu'ils sont secs. Soit, tu ne pourras pas les manipuler dans l'impureté alors qu'ils sont mouillés pour les donner à l'animal. Selon Bet Shammai, donc, il monte la barre encore plus, il est encore plus restrictif. Il te dit que j'ai pas de problème que tu rends ces karchinim impurs. À condition que tu as fait les premières manipulations de la shriya, lorsque tu les as mis à tremper, tu l'as manipulé betahara. Ouais. Mais après, en théorie, si c'est devenu impur, c'est pas grave.
Pourquoi? Parce que c'est pas de la nourriture pour des humains, je t'ai pas demandé de la brûler. Mais malgré tout, lorsque tu vas la donner à manger aux animaux, cette fois-ci c'est la dernière manipulation avant la consommation, alors là je te demande que yachelou tsarid, que tu veilles à enlever toute l'eau. Tsarid, ça veut dire que c'est sec. Il rapporte le Barthénora, yachelou tsarid, la chaune yovesh. Quelque chose de sec, tu le fais assécher. L'avantage il est que quand c'est sec, même si ça va toucher quelque chose de tamé, ça va pas forcément devenir tamé. Ça dépend des fois, en tout cas de manière générale, d'accord? Ok? Afghan yachelou yeveshim shelo yalem mashke bishat achila kede shelo yenikar shukshiru lekabel tuma. De manière à ce que l'on ne voie pas que c'est devenu apte à devenir impur. Ouais, ça peut s'expliquer. On peut se contenter ça, ça va, on a compris. D'accord? Il faut le manger de manière sec. Ça vient. Première manipulation, tu les trempes. Tu veilles à ce que ce soit pur. Après, tu veilles à ce qu'il y ait plus d'eau. Comme ça, après, tu pourras même les manipuler avec de la touma. Avec de la touma, même franchement. D'accord? Rabbi Akiva Omer, kolma se'em betouma. Et selon Rabbi Akiva, on permet tout. Puisque c'est en temps normal réservé à la nourriture des animaux, on n'a aucun problème que tu le fasses betouma. Même toutes les manipulations, même la toute première de le mettre à tremper dans l'eau, ça ne me dérange pas que tu le fasses de manière impure. D'accord? Donc si on veut les classer, maintenant on a Rabbi Akiva qui permet tout. On a Beth Hillel qui te dit la première manipulation lorsque tu trempes, que ce soit dans la pureté, mais après je m'en moque de tout. On a ensuite Beth Shammai lui-même qui a dit que ça dépend, tu peux tremper, tu dois le faire dans la pureté. Et après, si tu donnes à manger à l'animal, ça peut se faire dans l'impureté. Mais si tu veux l'utiliser pour toi, pour te faire des massages, par exemple, tu devrais le faire dans la pureté. Et ensuite, on a Shammai qui nous a dit que même lorsque tu vas donner à manger à l'animal, veille à retirer toute l'eau pour ne pas qu'on voie que ça a une fois pu être en contact avec quelque chose de tamé, bref. D'accord, on a fini la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. C'est toujours plein de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.